Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo, enfin devrais-je dire podcast, et nous allons parler de l'artiste et plasticien belge Wim Delvoye. Wim Delvoye est né en Flandre occidentale le 14 janvier 1965 et c'est une figure majeure de la scène artistique belge. Il est connu pour son humour, mais aussi pour son goût à l'expérimentation. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques-unes de ses œuvres. La première œuvre que nous voyons s'intitule Love Letter. Et elle a été réalisée entre 1998 et 1999. Love Letter fait partie d'une série de 7 compositions réalisées selon un principe identique. La photographie de pelure de pomme de terre. Il s'agit, comme son nom l'indique, de lettres d'amour, plus ou moins longues, adressées à un certain Mahomet et à une certaine Caroline. Ce travail est né dans le contexte très difficile des émeutes qui éclatèrent en novembre 1997 dans les quartiers défavorisés au nord de Bruxelles. Ces quartiers étaient notamment connus pour des problèmes récurrents liés à la drogue. La mort d'un jeune dealer, abattu par la police, provoqua 3 jours de guérilla urbaine et mena à l'arrestation de 158 émeutiers. La deuxième œuvre date de 1999. Elle s'intitule Sibyl. C'est une vidéo que je vous propose de regarder. Troisième œuvre date de 2001 et s'intitule Cloaca. Cloaca est une machine digestive. Cette œuvre est alimentée 2 fois par jour et les aliments sont transportés dans des réacteurs qui contiennent des produits chimiques. Cloaca défèque 2 fois par jour et c'est une œuvre qui dépasse le seul domaine de l'art pour englober le domaine des sciences, des techniques, mais aussi le domaine de l'économie. Car l'artiste avait tenté de faire officiellement coter Cloaca en bourse. C'est une ironie évidemment totale de la société capitaliste. La quatrième œuvre, qui a été réalisée entre 2003 et 2010, s'intitule Art Form China. Les cochons tatoués comptent parmi les œuvres les plus emblématiques. Il a d'abord commencé ses tatouages sur de la peau prélevée après l'abattage. Puis, il réalisera des tatouages sur l'animal vivant, qui devient en quelque sorte une sculpture mobile. Après la mort de l'animal, sa peau est tannée et encadrée, et devient par conséquent une œuvre d'art à part entière. Les motifs reproduits sont issus de Walt Disney, de la maroquinerie de luxe comme Vuitton ou Chanel,
mais aussi de la culture des motards. Plusieurs univers totalement différents peuvent coexister sur la peau de l'animal. Et enfin, la dernière œuvre a été réalisée en 2018. Ce sont des bas-reliefs en marbre. Ces bas-reliefs témoignent de l'intérêt de Wim Delvoye pour une thématique très actuelle, les jeux vidéo. Ces œuvres sont réalisées au départ de captures d'écran de parties de jeux comme Counter-Strike ou Fortnite. Et elles évoquent des objets archéologiques. Pourtant, les conflits évoqués sont bien actuels et se déroulent majoritairement au Proche-Orient. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou un petit pouce bleu. Je vous laisse maintenant avec mon petit montage photo et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube. À bientôt, au revoir.